manipulateur radio, c'est un personnel paramédical qui exerce son métier dans les hôpitaux, dans les cabinets de radiologie. Il travaille aussi en radiothérapie, en médecine nucléaire. Donc c'est un métier qui permet d'évoluer dans ces trois diversités de professions, médecine nucléaire, radiothérapie et imagerie médicale. Avec l'imagerie médicale, ils peuvent travailler au scanner, ils peuvent travailler à l'IRM, ils peuvent travailler en échographie, ils peuvent travailler sur de la radiologie interventionnelle, ils réalisent aussi des électromyogrammes, ils réalisent aussi des électroencéphalogrammes. Manipulateur radio, ça passe par Parcoursup actuellement. Donc il y a deux filières, un diplôme d'État et un diplôme de technicien supérieur. On a un déficit chronique national pour recruter des manipulateurs. Il faut savoir que quand on ouvre une IRM ou un scanner, on a besoin actuellement de 5 équivalents temps plein à peu près de manipulateurs. Une IRM égale 5 professionnels, un scanner égale 5 professionnels en moyenne. Donc là, on a eu beaucoup d'ouvertures et on manque cruellement sur Nîmes et ses environs de professionnels. Ce que nous voulons créer à Nîmes, c'est un diplôme de technicien supérieur imagerie médicale et radiologie thérapeutique, IMRT, que nous effectuerons donc dans le lycée d'Alzon. Donc ça se fait avec un DTS, c'est en 3 ans. C'est un métier qui confère une licence. Et après donc on peut évoluer là aussi vers des masters et on peut faire de la recherche, on peut évoluer vers de la radiophysique. Alors on peut commencer manipulateur et finir manipulateur, avec une évolution de son travail qui est unique. C'est-à-dire que pour ma part et pour quelques-uns des manipulateurs qui sont autour de moi, nous avons commencé en développant nos images. Et puis maintenant, on est sur des technologies qui n'ont plus rien à voir, où on couple le scanner et la radiologie interventionnelle, où on couple de l'autre côté le TEP scan. Où la radiothérapie aussi a évolué d'une manière extraordinaire. Le manipulateur aussi peut faire de l'échographie avec un protocole de coopération. Le manipulateur peut poser des PICC lines avec un protocole de coopération. Donc on a une évolution au-delà des technologies de la prise en soin des patients qui est très importante. Les manipulateurs ont cette particularité d'être toujours en évolution. Dans la technologie nous oblige à évoluer, c'est évident. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette technologie, elle nous oblige à évoluer, et elle oblige surtout à évoluer dans notre prise en soin.